Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre grande gueule du jour, mesdames et messieurs, évidemment, Maître Abdoulkabil Camara, vous le rappelez, président du parti RGD, ancien ministre de la République. Avec lui, nous allons aborder l'actualité, évidemment, il faut le dire. La redistribution des cartes se poursuit dans la perspective des grandes manœuvres politiques en vue des élections législatives en 2019 et d'une présidentielle attendue donc en 2020. Dans cette voie, de nouvelles alliances, donc ce « nous », il le dit Titi, en sont en préparation pendant que d'autres se désagrègent. Les forces en présence mouvant ses positions, chacune œuvre à mettre le plus d'atouts de son côté. Dans ce contexte justement, qu'une figure importante, voire un homme de ses rails présidentiels, pourtant longtemps considéré comme un intouchable, débarqué du gouvernement à la faveur de la nomination de l'équipe dirigée par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, ce n'est pas Camara Titi, décide désormais donc de boxer dans l'arène politique à la tête du parti RGD, Rassemblement des Guinéens pour le développement. Maître Abdoulkabil Camara, à qui nous disons bonjour, maître. Bonjour. Bienvenue sur Espace et sur les Grandes Gueules. Mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Je peux me permettre, s'il te plaît, mon cher ami. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on vous a débarqué du gouvernement, maître Abdoulkabil Camara? Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous n'êtes plus du gouvernement Alpha Condé? Écoutez, permettez-moi d'abord de vous adresser mes condoléances les plus attristées. Merci. À l'occasion du décès, de la perte de votre collaboratrice. Et c'est une compatition. Merci. Et le RGD dans son intégralité. Bien. Que son âme repose en paix. Amine, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a changé finalement? Beaucoup de langues se délient à dire que parce que vous n'avez pas été à la hauteur du côté de Koya, et avec tout ça, finalement le président a décidé de se débarrasser de son avocat. Oh, vous savez, rien n'a changé à mon niveau. Mm-hmm. Je reste le même, oui. Maître Kabele. Et j'ai regagné mon cabinet le lendemain même de la publication du décret. Ouais. C'est vous dire que M. Kabele est toujours prêt à rejoindre ses activités d'antan dès que la possibilité lui en est donnée. Ouais. On parle d'opportunité en politique, voilà. C'est très important. On vous attendait partout sauf là. Aujourd'hui, à se dire, vous êtes président d'un parti politique, quand on sait un petit peu l'intimité avec le président Condé, à ce point, la déception vous a dit, vous dites non, il faut aller boxer dans la même catégorie qu'eux. Vous savez, je ne suis pas un ministre frustré. Mm-hmm. Vous avez remarqué d'ailleurs que depuis ma sortie du gouvernement, je ne parle pas du gouvernement facilement. Je ne parle pas du président de la République, je ne parle de personne. Ouais. Ni de l'opposition, ni de la mouvance. Ouais. Je prends la chose avec citoyenneté, et parce que c'est ça mon devoir. Mmh. Et l'entrée en politique, comme vous tous, la Constitution le permet. Et c'est un droit qui est dévolu à chaque Guinéen et Guinéenne. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que le jour de la passation de service au ministère de la Sécurité, j'ai remercié celui-là qui m'a fait confiance, me nommant ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile. Mais pour la seconde fois également, je l'ai remercié parce qu'en me déchargeant de mes fonctions gouvernementales, il m'invitait à explorer une autre voie. Voie sur laquelle j'ai imploré la grâce divine et à l'issue de laquelle j'espère m'écrier haut et fort avec tous les Guinéens, mon pays, ma fierté. Ouais. Alors, non, mais c'est important, c'est vraiment intéressant parce que ici, on dit les dessous de l'actualité. Beaucoup de choses se disent, mon cher ami Moussa Moïse, là, du côté de Koya. C'est un petit peu le nœud, on va le dire. Il y a Kiridi, entre autres. Hein, je n'aime pas aller dans cette histoire de communautarisme. Mais dites-nous la vérité. Est-ce que ça n'a pas été quelque part.
Moussa, s'il te plaît. Non. Je vais vous rassurer que le déclic n'est pas venu de Koya. Qu'est-ce qui s'est passé? Maître Kabélé, souvenez-vous, en 2010, oui, a soutenu le professeur Alpha Condé, candidat aux élections présidentielles pour le compte du RPG. Oui. Maître Kabélé s'y est donné corps et âme pour l'élection du professeur. Et au deuxième tour, il a encore mis le maximum de sa disponibilité, de ses moyens financiers tant qu'avocat, pour l'élection du président de la République, le professeur Alpha Condé. Vous le savez autant plus que moi. En 2015, Maître Kabélé s'est investi à Koya. Ouais. Et je vous assure que même dans son village, Kouya, le président Alpha a eu presque 90% des électeurs. Justement, nous ne sommes pas naïfs. Non, mais attendez, parce que le président, pour lui, c'est la politique qui compte. Vous le savez très bien. Un ministre qui n'arrive pas à rassembler ou qui n'arrive pas, évidemment, à le soutenir dans ses localités, ben, il est de gomme, ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Ce que vous voulez en les grandes gueules n'est pas un secret de Polichinelle. C'est connu de tout le monde. Oui. Moi, je soutenais le RPG, le parti du président de la République. Et j'ai fait de mon mieux pour que ce parti l'emporte sur les autres. Oui. Et il y a eu un candidat indépendant, qui est un neveu, un jeune frère. Bangoura. Oui. N'est-ce pas? Pour lequel j'ai fait beaucoup de choses. Et réciproquement. OK. Et qui me vouait respect. OK. Et comme d'habitude, j'avais réuni presque tous les grands acteurs de Koya pour dire que désormais, quand un problème politique s'oppose à Koya, faisons en sorte qu'il y ait entente, que nous puissions partir sur la base d'un consensus. Alors, tout le monde a accepté, sauf M. Bangoura. Et j'ai formé des délégations pour aller prendre contact avec lui, lui demander de comprendre qu'en allant ensemble, nous pourrons faire mieux. Oui. Bon, il n'a pas compris, mais j'ai constaté après qu'il a été reçu à la présidence de la République. Oula. Et il a été même soutenu financièrement. Double trahison. Il a été même soutenu financièrement, allez, s'il vous plaît. Double trahison. Il a été même soutenu financièrement. Oui. Et à un certain moment aussi, Parce qu'il était avec le RPG, j'ai appris et j'ai vu sur les réseaux sociaux que M. Bangoura était avec l'UFDG. Je n'ai plus rien compris. Ce qui se raconte comme quoi, c'est vous qui avez écarté le monsieur de la liste du RPG, ce n'est pas vrai. In fine, non. C'est un jeune frère pour lequel j'ai eu beaucoup de respect, que j'ai soutenu comme chef de quartier, à qui j'apportais beaucoup de soutien quand il était chef de quartier. Ouais. Parce que fondamentalement, c'est un garçon qui était travailleur. Et pour cela, je l'ai soutenu. D'ailleurs, les autres chefs de quartier en étaient jaloux. Mais je n'ai pas compris valse, n'est-ce pas, politique, et qui finalement a conduit à quoi? À l'éviction de M. Bangoura, purement et simplement, de l'exécutif, de la mairie, de Koya. Les grandes gueules. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle est la position réelle. Bien. Mais c'est dommage. Ouais. Maître Abdoul Kabélé Camara, c'est vérité ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. Moi, je sais qu'en Afrique, lorsqu'on a occupé des postes aussi stratégiques à la tête du pays, parce que ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense, c'est pas n'importe quel poste. Ministre de la Sécurité, c'est pas n'importe quel poste. Ceux qui occupent ces postes, lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, ils prennent une sorte de recul, de repos. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'effacent complètement de la scène politique. Ouais. C'est pourquoi je suis tenté de croire à ceux qui disent qu'il y a une deal politique qui continue entre Abdoul Kabélé Camara et le président Alpha Condé. Qu'il ait aussitôt quitté son poste de responsabilité et créer un parti politique qui l'anime, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont vos ententes avec le chef de l'État. Est-ce que vous lui avez dit, grand frère, voilà ce que je veux faire? Et il vous a dit, petit frère, fais-le, c'est une couverture, c'est un plan B. Les grandes gueules. Je voudrais vous rassurer. Oui. Il s'agit d'une restitution. S'agissant de deal dont vous parlez, il n'y en a pas eu.
il n'y a pas de deal, il n'y a pas d'entente entre le président de la République et Maître Kabylé. Vous lui avez quand même dit que vous rentriez en politique. Je n'ai jamais parlé, discuté, discuté avec le président de la République. Vous comprenez sa question, parce que quand on voit... Je comprends très bien. Voilà, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas seulement la défense et la sécurité et la protection civile, mais aussi les affaires étrangères. Bien sûr, bien sûr. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas le seul ministre à avoir fait ce saut. Les grandes gueules. Combien de premiers ministres ? Mais non, 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 on voit les autres. Combien de premiers ministres ? Pas les premiers ministres. Combien de premiers ministres ? Combien de premiers ministres sont à la tête des partis politiques immédiatement après leur sortie du gouvernement? Non, sauf que pour vous, c'est différent. C'est le problème, parce que vous étiez considéré, vous étiez perçu comme un intouchable. Vous étiez de la catégorie des intouchables dans le gouvernement. Moi, c'est important qu'on revienne là-dessus. Vous avez posé la question sur ce qui s'est passé à Koya. Vous y avez touché un mot, mais dites-nous, comment vous avez reçu votre départ du gouvernement? Comment vous l'avez compris? Et quel message se cachait derrière l'acte du président, celui de ne pas, de ne plus vouloir compter sur vous dans son attelage gouvernemental? Pour vous, quelle explication vous y avez trouvé? Écoutez, personnellement, à ceux qui ont soutenu le candidat indépendant et qui ont pensé que en le soutenant et en le faisant gagner, ils affaiblissaient Maître Kabylé dans sa localité, se trompaient. L'élection communale à Koya n'était pas un enjeu pour Maître Kabylé. Personne physique. Maître Kabylé n'a fait que soutenir un parti, le RPG, et son président, le président Alpha Condé. Oui. Mais là, si les acteurs de ce parti se contentent bien de soutenir le candidat indépendant, libre à eux, moi, j'ai été un ministre. Est-ce qui a fait preuve de loyauté. Bien, oui, qui a fait preuve de fidélité. Excusez-moi de placer ça. On peut dire aujourd'hui qu'on vous a amené à la guillotine. Est-ce que vous pensez que vous avez été mal récompensé? Ouais. Sans langue de bois. Vous savez, les jeux politiques, c'est après quelques avec temps, le recul. Avec le recul, que vous apercevez qu'il y a eu quand même quelques manœuvres. Oui. Quelques manœuvres. On vous a amené à la guillotine fin, ou pas? À quelle fin? Non. Ouais. Je me suis les grandes gueules. J'ai compris tout simplement que sur le terrain, les jeux qui ont été faits ont été mal faits. Et cela ne porte pas bonheur toujours. Alors, Roby, permets s'il te plaît. Vous allez quand même achever de répondre à la question de Lamine Guirassy, qui est celle de savoir, est-ce que vous pensez que vous avez été mal récompensé après autant de services loyaux? Vous-même, vous avez parlé de loyauté. Et donc, ma question, c'est donc la deuxième que je vous pose. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité. À ce genre de poste, on est habitué aux caméras, au feu de la rampe. Mais on vous débarque. Moi, la question que je me pose, vous avez dit, c'est une restitution au peuple de Guinée. Vous voulez rendre à la Guinée ce qu'elle vous a généreusement donné. Vous auriez pu le faire dans une organisation de société civile. Vous auriez pu le faire en restant, par exemple, avocat. Mais vous avez choisi de créer un parti politique et d'en être le président. Pourquoi ? Écoutez, vous permettrez que je vous rappelle que ici, à plusieurs reprises, je vous ai affirmé qu'un ministre est révocable à tout moment et sans motif. Oui. Les grandes gueules. Le ministre qui l'a compris n'a pas à s'émouvoir, ni à se fâcher, ni à s'épancher, ni à proférer des insanités ou faire des déclarations tonitruantes à l'encontre de qui que ce soit. Oui. Il est choisi parmi 15 millions de Guinéens. Alors, si on le remercie, il doit comprendre qu'il doit céder la place aussi et que d'autres Guinéens poursuivent la route. Le président de la République a estimé que, à ce stade de notre coopération, il peut faire appel à un autre Guinéen. Ce qui est tout à fait normal. Et c'est comme ça que moi, je prends la chose avec philosophie. Je vous ai dit ici, sur vos antennes, que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Alors, en quittant le gouvernement, il faut être réaliste, n'est-ce pas? Vous êtes un cadre, c'est des groupes de Guinéens
qui avait créé un parti RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement, depuis le 14 avril 1992, date d'agrément de ce parti, et qui sont venus me contacter, me dire, nous vous faisons confiance, nous vous concédons le leadership de ce parti, il faut en être le président. Donc ce n'est pas une initiative de vous. Ce n'est pas une initiative de vous. Ce sont de des vous, compatriotes. Parce qu'il y a un souci malheureusement avec ça, c'est mon regard. Si on est allé vous chercher et on vous a demandé d'être le président d'un parti politique, ça se présente comme le rêve d'une autre catégorie que votre rêve à vous-même. Vous voyez un peu ce que j'en dis. Non. Les grandes gueules. C'est ça la question. J'ai des ambitions généreuses pour mon pays. Et je pense que tout Guinéen devrait avoir cette ambition noble et généreuse. Est-ce que bien avant ils sont venus me voir après 7 mois passés, n'est-ce pas, à la maison et dans mon cabinet. Ils m'ont expliqué leur programme, j'y ai adhéré. Et j'ai accepté de présider ce parti. Est-ce que vous l'aviez cogité avant? Est-ce que avant que le RGD ne vienne vous voir pour vous coopter dans leur parti politique en vous donnant évidemment le directoire, est-ce que vous y avez pensé avant? Ça, c'est la première question que j'ai envie de poser. Et aujourd'hui, vous allez récupérer le RGD. On se pose un peu la question sur le positionnement prochain du RGD parce qu'on sait bien comment ça se passe sur l'échiquier politique national. Quelle sera désormais votre position? Parce qu'à l'entame, vous nous disiez tout à l'heure, ne pas parler du pouvoir, ne pas parler de l'opposition, ça veut dire que vous avez une ligne politique définie. Quel sera votre prochain positionnement? C'est quand même difficile pour un parti qui vient de naître de dire qu'on va aller seul. Hein je vous remercie. Vous avez posé une question à deux volets. Le premier volet, est-ce que je suis avec d'autres partis. Ouais. Et ce que je veux vous dire. Il parle même de positionnement, Robbie. Oui, c'est important. Quel est votre camp politique? Ouais. Ce que je veux vous dire dans un premier temps, ouais, peut-être que l'humilité l'a emporté sur bon nombre de choses. Mm-hmm. Je ne suis pas expansif. Et je n'aime pas trop parler de moi. Mm-hmm. Quand on me dit que vous venez de rentrer dans la politique, je pense que bon nombre de Guinéens oublient que Maître Kabélé fut député à l'Assemblée nationale, ouais, en même temps la première législature de 1995. Ouais. Et on y a fait 7 ans. Et Maître Kabélé militait dans le PUP, il était membre fondateur du PUP. Ouais. Mm-hmm. Vous le savez, mm-hmm, bon nombre de Guinéens ne l'oublient pas. Ouais. Je ne suis pas allé à Mamon parce que j'ai donné la chance à mes aînés, paix à leur âme, de conduire notre délégation à Mamon. Mm. Et depuis lors, ouais, je travaille. Ouais. Et je n'étais pas membre d'un comité de base ou d'une section ou d'une fédération du RPG, mais j'ai exercé les activités politiques avec le RPG. C'est vous dire que Maître Kabélé n'est pas nouveau dans la politique. Quel est votre positionnement? C'est pas un homme qui sort de le lapin qu'on sort du sac, non, n'est-ce pas? Oui, mais, bon, maintenant, mais ma position sur l'échiquier politique. Mm-hmm. Le RGD ne se contente pas d'aller à droite ou à gauche ou au centre. Le RGD est un parti social-démocrate. Mmh. Le RGD ne voit qu'une seule chose. Quelles sont les aspirations profondes du peuple de Guinée? Mmh. Le RGD a déjà dressé une vision. Une vision qui est vulgarisée dans son slogan « Mon pays, ma fierté ». Mmh. Parce que qui intègre ce slogan va intégrer le triptyque de notre devise « Travail, justice, solidarité mm-hmm. ». Travail qui ennoblit l'homme. Il faut trouver de l'emploi pour les jeunes. Mm-hmm. Il faut faire la promotion des femmes. Il faut qu'on cesse de les abandonner et qu'elles tournent les pouces. La justice, je disais tout au long des différentes assemblées tenues au niveau du siège du RGD,
que le problème fondamental de la Guinée, c'est la non-application des lois, partant du non-respect des lois et règlements en vigueur.